Non, c'est quoi la chanson? La pluie coule quand. On était en train de regarder sur Insta parce que les Energy Music Awards, je sais pas si vous avez regardé, mais il y avait un bal de playback. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, ouais putain, mais alors là, gros playback. Et Luan, elle a mis les choses cartes sur table en mode, oui, le problème c'est que si on fait pas de playback, quand ils font des shows et des prestats de ouf comme ça, quand ils courent, quand ils arrivent sur. Enfin, ils peuvent pas faire un show de dingue et chanter juste sur certaines actions. Voilà, ça reste des humains. Et du coup, elle a mis le retour qu'elle avait dans ses écouteurs quand elle court, quand elle fait le show aux Energy Music Awards. Et c'est vrai qu'elle a une voix où ça fait bichette. Mais en même temps, elle est honnête et je trouve ça bien qu'elle fasse voir ça. Enfin bon, bref, j'espère que vous, ça va. Écoutez, ça va, il est quelle heure? Oula, il va être 14h déjà. J'ai fait plein de trucs ce matin. Enfin, on a fait plein de trucs ce matin. Vincent s'est pas mal occupé du coup des chantiers, des factures, etc. Après, on s'y est jeté. On a fait 2 heures de ménage. Mais genre, voilà, on s'est pas arrêté. La maison, elle est nickel. C'est bon. Il reste que les chambres, mais la flemme, clairement. On a fait le salon, la salle à manger. Enfin, salon cuisine, les chiottes. On a fait la salle de bain, on a récuré le bac à douche. Là, il reste juste le lave-vaisselle à vider et bon, les chambres, mais flemme. Franchement, flemme. J'ai fait les courses, j'ai fait les menus pour la semaine, j'ai fait le drive pour la semaine. Et j'en ai même profité pour commencer à faire Kitty, Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai pratiquement fait. Sauf nos enfants où bah, on attend les catalogues de Noël et tout. On a 2-3 idées, mais on a quand même commencé à regarder les idées. J'ai pratiquement fait tous les enfants de mon entourage. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, c'est une bonne chose de faite parce que j'ai pas envie de courir à la dernière minute pour faire les choses. Et puis après, comme ça, voilà, il y a le temps de trouver les idées pour les adultes et tout. Mais dès que j'ai des idées et dès que je vois des trucs, je prends. Et là, je m'y suis mis pendant moins... une heure et demie, et voilà, du coup, je suis bien contente, j'ai trouvé plein de trucs, donc tant mieux, voilà. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait ça, ça m'a quand même pris du temps, hein. Le drive, les trucs de Noël, j'ai fait une petite commande aussi sur vente privée, pour le running, pour ceux qui font du running, il y avait une vente privée Adidas, et en fait, je voulais trouver des hauts, c'est Marie, de la chaîne, oh, j'arrive jamais à retenir, moi j'arrive pas à retenir, qui met ça, elle, quand elle court, c'est des hauts quand même qui sont, enfin, qui sont très près du corps, moi j'aurais jamais cru acheter ça un jour, un peu croc top et tout, mais enfin croc top, non, c'est que moi en fait mon short, je le remonte limite jusqu'au cou, j'aime pas avoir le short bas, donc mon short je le remonte bien, et en fait par exemple là ce week-end quand j'ai des t-shirts qui sont trop longs, avec le gilet, avec le dossard et tout qui me fait un t-shirt, bah ça me gêne. Et elle disait que les hauts comme ça, là, ceux que j'ai commandés, il faudrait que je vous fasse voir, qui sont pas mal. Donc du coup, il y avait une vente privée Adidas qui en faisait, donc j'en ai pris 2 sur Adidas, mais pas à la même taille. Donc ça se trouve, à tout moment, bah, je vais devoir y renvoyer, on verra bien. Et il y avait une vente privée à plot. Au plot, oh, j'en sais rien, mais en fait vous savez Vincent il m'avait offert un legging imperméable de cette marque là Oblo, je vois plus comment ça s'appelle, et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé cette marque et c'est bien pour tout ce qui est hiver. Et moi au niveau running j'ai pratiquement rien, alors déjà j'aime pas trop être en pantalon en legging, hein. Je préfère être en short, j'ai pratiquement rien d'hiver, donc là je me suis équipée pour l'hiver, j'ai pris un t-shirt manche longue qui remonte avec un col pour que tout ce qui est trail et tout, c'est très bien. J'ai pris une veste coupe vent un peu pour remplacer ma rose un peu dégueu que j'ai voilà, qui est pas mal, mais en fait elle fait un peu coupe vent sur le dessus et en dessous c'est plus du tissu. Je vous ferai voir quand je vais recevoir. J'ai pris un cycliste aussi qui pareil pour l'hiver, qui est plutôt bien respirant et tout. J'ai repris une nouvelle paire de chaussettes. Bon bref, je me suis fait un petit cadeau. Mais je préfère y prendre là quand c'est en promo sur VIP. Parce que si vous saviez le prix de base, voilà. Quand il va faire moins 15, avoir besoin d'aller acheter les choses et qu'il n'y ait plus de promo. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Et puis vu que je vais avoir des trails, j'aimerais bien être quand même un peu équipée. Parce qu'à tout moment, il va faire moins 15 et ça va me faire suer. Voilà. Mais bon, pour le moment, il fait super beau, donc tant mieux. D'ailleurs, en parlant de beauté, de bonté, de beau temps, il fait 18 degrés, les gars. Donc, autant vous dire que normalement, demain, j'ai une sortie à faire de 40 minutes. Je pense que je vais la caler aujourd'hui. Déjà, j'ai que Chihuahua au niveau des courbatures. J'ai un peu mal, quoi. Que Chihuahua. Non, je suis tombée sur un truc de trail. Ouais. Trail naturiste. Trail naturiste? Non. Non. Ça s'appelle l'événement La Quiquette au vent.
Voilà Anto. Oh, voilà ce groupe où on est tous les trois, Anto. Hein? Il m'en faut peu, moi, je vous le jure. Enfin, moi, je suis contente. Je me suis équipée, je me suis urinée et c'est le seul achat que je vais me faire du mois. Hein, je vous le dis direct. Parce que là, nous, on a un mois. Alors, déjà, on sait qu'en fin d'année, avec Noël, machin et tout. Mais nous, je sais pas vous, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, on a les impôts qui nous ont mis. Oh! Taxe foncière. Donc pendant 2 mois, là, on paye la taxe foncière sur 2 mois. Et pourtant, on payait tous les mois, hein, mais on a une régule de charge. Hein? Kékette au vent, 15 km kékette au vent et 7 km Michelet. Et c'est où? Hein? Au Cap d'Agde? Non, c'est pas en France. Ah, parce que ça me fait rire. Envoie-le à tante. Enfin, bon, bref, ça m'a. Ça, voilà. Bref, je suis de bonne humeur. Donc là, bref, voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, petit achat, petit achat, petit achat. J'ai craqué de l'oseille aujourd'hui. Voilà, impeccable. Et nous a bien mon ordinateur. On est content. Voilà, bref. Et mes chaussures là, mes Nike que j'ai mis là. Faut que je passe un petit coup dessus. Parce que c'est avec ça que je cours sur le tapis. Du coup, voilà, je passe un petit coup dessus. Je les aime trop. Bien. Voilà la luminosité là. Bref, je vais me faire un petit café, puis je vais faire le gâteau pour les enfants pour le goûter. Je vais en faire deux. Je vais faire un gâteau aux pommes, plus allégé pour moi et tout. Bon, là il reste 3 muffins. Il fait beau donc je pense qu'on va s'arrêter au parc là, hein, pour goûter et tout. Mais je voulais des cookies donc je crois qu'il me reste pépites de chocolat et maxi pépites de chocolat blanc donc je pense que je vais les finir et je vais leur refaire des cookies. Bref, je m'active. Je range la vaisselle, je le re-remplis avec ce qu'il y a dans l'évier. Je fais les cookies, je fais le petit gâteau aux pommes, je vais faire un peu d'impro et tout, donc je vais vous faire voir. Et puis après, je pense que je vais pas tarder à le courir. J'ai que 40 minutes à faire demain, donc je vais la décaler aujourd'hui, mais... C'est en France? En même temps, Kéké Thaler, c'est pas trop, trop étranger hein, comme prénom. C'est à quoi? Crué. Oh, ça doit être très drôle. Connexion avec la nature. Très drôle. Très drôle. Hein? Tu mets où les gourdes? Sur 15 gourdes. Bah tu... Ouais, je sais pas. Bah non, bah tu vas t'aller ravito. T'aller ravito. Très drôle, hein. Très très drôle. Bon bref, allez, je m'active. Je sais très bien comment dire que la cosa va cambiar. Porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás. Bon, j'ai changé ma recette. Ils sont moins dorés. Mais ils ont l'air, mais pff, hyper moelleux dedans. Mmh, oh là là. En mode ce bouet là, vous voyez. Mmh, ils ont l'air très bons. Et en fait, j'ai réduit le beurre et j'ai mis moins de sucre. À voir. Moi, je les ai fait gros, j'aurais pu les faire mieux et plus homogènes. Flemme. Ouais, flemme. Du coup, mes fruits, bah, mes petites pommes, elles vont rester là. Gros fake du gâteau à la pomme, puisque je n'ai plus de farine. Oh, plus de farine, il me reste 5 œufs. Donc encore ça allait. Mais plus de farine et plus de sucre. Kochi, walou, walum nadou. Donc en plus, j'ai fait de rêve et j'ai oublié d'en remettre. Bah oui, il manque toujours un truc de toute façon quand vous faites les courses. Toujours un truc. Le destin s'acharne contre moi. J'étais prête à faire bah, du coup la tarte à la tomate thon pour soir. Il n'y a pas d'ouvre-boîte à la maison. On a cassé l'ouvre-boîte la dernière fois. Je savais que je devais en racheter un action la dernière fois que j'y suis allée. Mais il n'y en avait pas. Donc j'ai dit bon, 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 on peut attendre. Voilà. J'ai dit à Vincent, c'est toi l'homme, le mal. Je fasse quoi? Vas-y au burin. Je vais y tu vas à l'ancienne. Hein, mais je vais la faire à quoi ma tarte? J'ai rien. Fond de tiroir aujourd'hui. Bon, j'ai utilisé ça en cuisine, cuisine au fromage blanc, à chaud, à froid. Pff, écoutez, on verra bien ce que j'avais acheté là. Au niveau du paquet de nuit, je me suis fait, mais alors clairement avoir. Bah là, ça serait la petite tarte impro, hein.
Donc, il y a des tomates, une tomate noire. Et au milieu, j'ai mis les restes des tomates cerises qu'on avait dans le frigo. Et j'ai mis du brie. Et oui, moi, d'habitude, on fait les courses le lundi. Bah là, c'est un peu vidasse, hein. On va pas se le cacher. C'est pas fifou le vieux fou, hein. Au niveau des yaourts, il reste ce qu'il faut. Donc, j'ai juste racheté du skyr au drive. Mais par contre, le reste, ça va être pour ce soir. En fait, ce soir, je finis le frigo. Donc ce soir, on va faire des raviolis, il y a les petits trucs de poulet là-bas, il y a la tarte et je vais faire une soupe. Voilà, comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Bon allez, j'ai vêtu ma plus belle tenue, voilà. J'ai mis mon petit t-shirt de la course tâche, mais de l'année dernière. Forcément, l'autre est dans le sèche-linge, d'ailleurs, il faut que je fasse dans le sèche-linge. Je vais mettre mes chaussures de trail pour courir aujourd'hui, vu que je vais grappiller un peu là-haut. En fait, je voudrais les réessayer pour être sûre que je sois vraiment bien dedans. D'habitude, je les mets quand on va marcher ou quand on fait des trucs comme ça. Et en fait, la dernière fois que je les ai mis pour courir, en vrai, j'étais pas si bien que ça dedans comparé à d'habitude. Mon pied a glissé. En fait, mon pied glissait. Donc, et c'est ce qui m'a peut-être donné aussi l'orteil un peu violet là. Vous voyez, une fois que j'avais eu l'ongle un peu violet. Donc je voudrais les réessayer avec des chaussettes un chouïa plus épaisses, là, celle-là, là, pour être sûre qu'elles me vont. Parce que pour mes futures courses, il faut que je sois sûre d'avoir des bonnes chaussures. Donc pour les trails que je me prépare, donc je vais les réessayer là pour voir. Sur 40 minutes déjà, j'aurai une petite idée du truc. On est au parc, j'en ai le goûter. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais fait des petits muffins ce week-end. Samedi, si samedi je crois que je les ai fait. Bon, on a couché les enfants, bonne petite fin d'après-midi, du coup je suis allée courir, j'ai fait ma petite course, j'ai couru quoi, une quarantaine de minutes, j'y suis allée vraiment à la cool, hein. J'ai déroulé les jambes et puis voilà, il y avait quand même 98 mètres de dénivelé par là où je suis passée, donc finalement il y en a peut-être même un chouïa de plus que quand je prends le sens en... je prends le tour en sens inverse, mais bon... Bref, voilà, et après je suis allée chercher les enfants, on a été au parc avec Vincent et les enfants, on a goûté au parc. On a récupéré aussi Raphaël chez nous et puis voilà, on est rentré tranquillou, on a regardé la Starac, j'ai plié le linge, on a appelé Bérangère pour son anniversaire et puis voilà, elle est belle ma tarte, hein. Regardez comme elle est belle avant qu'il la coupe, elle est belle, ah, une tarte de reste, pas mal. Du coup il n'y a que des tomates et un peu de caprice des yeux. Les cookies n'ont pas été touchés, je leur ai fait finir les muffins que j'avais fait. Et puis voilà, j'ai fait de la soupe aussi, j'ai fait une bonne petite soupe, mon bol est là, prêt à être dégusté. Elle sent super bon, j'ai mis la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un poivron rouge, j'ai fait les restes, hein. Le navet, une courgette, deux carottes et un oignon. Voilà, regardez, ça a l'air hyper bon. Et j'ai mis la moitié d'un cube Knorr là, de bouillon. Et puis voilà, j'ai super faim, ça va être hyper bon. Et puis voilà, je vais monter mon vlog puisque demain j'attaque ma grosse série du matin. Donc je suis du matin toute la semaine. Donc voilà, grosse série. Et puis voilà, écoutez, pour tout ça, je monte mon vlog et je vais aller me coucher. Ah oui, Vincent s'est fait des... ça me donne envie. Des carottes râpées comme ça, ça me donne envie ça. Ouais. Avec la tarte, ça peut être pas mal. Bah oui, c'est cool. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans un tout autre vlog. Ciao!